Bonjour à tous et bienvenue dans ce jour numéro 11 de ce calendrier de l'Avent. Le principe de ces vidéos est de vous présenter chaque jour une bière qui est disponible sur mon site. A chaque fois, je vous présenterai brièvement la brasserie, je vous présenterai la bière et je vous donnerai un plat avec lequel l'accompagner. Et aujourd'hui, on va parler d'une bière que je n'ai pas avec moi car elle est dispo chez un des partenaires du site Zoobrew et on va parler de la Nautilus. Zoobrew est une brasserie qui est située dans la région de Montpellier. Ce sont deux amis qui se sont rencontrés et qui ont voulu créer cette brasserie. Avec leurs différents voyages, ils ont pu s'inspirer de pas mal de techniques, de méthodes pour brasser. Ils ont décidé de monter leur brasserie à Montpellier afin de réaliser un peu toutes ces techniques. Toutes les bières brassées par Zoobrew sont des bières d'exception et sont le travail d'une originalité entre les deux brasseurs. J'ai déjà fait une interview de la brasserie Zoobrew que vous pouvez aller voir sur la chaîne. La Nautilus est une gouze, c'est donc une bière qui va être très acide, qui va être blanche. Et la présence du sel à l'intérieur de la bière va permettre de couper un peu l'acidité pour faire ressortir les notes d'agrumes et de coriandre. Qui dit bière acide et notes d'agrumes, c'est une bière qui s'accordera parfaitement avec un plateau de fruits de mer. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, moi je vous dis à demain pour le jour numéro 12. Abonnez-vous, aimez la vidéo pour me soutenir et moi je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, rejoignez la génération Craft. Ciao !